Coucou YouTube. Il est tout foufou. Bah oui, il est foufou. Il est tout foufou. Il est tout foufou, le petit flouflou. Hey, coucou tout le monde, c'est Nice, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ouvrir les Vlogmas, c'est la mode 1 décembre, et ben je vais pas déroger à la règle. Là ce soir, je suis toute seule, je sais pas à quelle heure mon chéri rentre, en fait il a une soirée d'entreprise. Ils vont au spa les petits vénards, hein. Nous on se les gèle, on a de la neige, il fait froid et tout, et eux en fait ils vont bouillonner dans un petit bain d'eau chaude, les petits chanceux. Bon en même temps, je suis pas sûre que j'irai au spa avec mes collègues de boulot moi. Ça va qu'ils s'entendent bien, eux. Du coup, le programme pour ce soir, pour moi, d'abord, ça va être de m'occuper des chiens, d'aller les promener et de leur donner à manger. Il faut que je range aussi mon ancienne pile à lire du Pumpkin, donc tout ce que j'ai pas lu. Ce serait dommage de laisser traîner ça. Et comme vous pouvez le voir, hop, j'ai mis à jour. Donc ça, c'est l'ancienne pile du Pumpkin, hop, avec principalement les premiers tomes des séries que j'ai pas lues. Ça aussi, hein, c'est les mangas que j'ai pas lus. Et du coup, à partir d'ici, donc ces deux cases là, on enlève ça et on enlève ça. Hop, c'est ma pile à lire du Cold Winter Challenge avec aussi la troisième marche là-bas. J'avais oublié. Alors donc le but ça va être de ranger un peu tout ça, hein, parce que ça fait un peu désordre. Je vais aussi faire de la couture puisque ma mère m'a commandé un sac à tarte. Donc je vais sans doute vous filmer un peu des passages où je fais de la couture. Je verrai comment je m'organise, c'est pour ça que j'ai pris la GoPro. C'est plus facile à poser sur la table que de sortir mon trépied et mon appareil photo. Et sinon ça, donc ces deux cartons, ce sont deux calendriers de l'Avent. Celui d'en dessous, c'est le calendrier de Steph de Pikiti. Hop là, il y a plein... Enfin, 24. Il y a plein de petites pochettes comme ça. Il y a le 1 qui est juste au-dessus. C'est marqué « Let's go ». Et ben, j'ai trop hâte. On va ouvrir ça demain, je pense. On va ouvrir ça demain, ce serait trop cool. Et puis celui-ci, donc, c'est un calendrier de l'Avent du couple que j'ai trouvé sur internet. Je vous mettrai les liens en description si jamais ça vous intéresse. Et j'ai hâte de montrer ça à mon chéri. Donc je l'ai commandé pour lui en fait. Donc je pourrais en bénéficier puisque c'est pour les couples. Mais à la base c'était pour lui. Hâte d'être demain pour pouvoir ouvrir tout ça. Je lui ai fait aussi un calendrier de l'Avent perso. Il faut que je finisse de customiser quelques trucs parce que nous sommes quand même le premier genre demain. Donc si c'est pas prêt. Sinon dans la semaine nous avons deux concerts. Donc un demain soir le premier et un jeudi soir le 2. On va aller voir Émile Bilodeau. Ça va être trop cool. C'est quelqu'un qu'on a découvert, un chanteur canadien, québécois. Qu'on a découvert lors de notre dernier voyage au Québec, c'était trop cool. Ça fait déjà deux fois qu'on va le voir en concert, là ça va être la troisième. Bah ouais, jamais 203. Donc pour vous dire à quel point on adore le personnage, j'essaierai de filmer si je peux. Si je peux pas, ben
Désolée, mais en tout cas, si vous aimez la chanson française, les chansons à texte, enfin les auteurs à texte, les chanteurs à texte, clairement penchez-vous sur Émile Bilodeau. C'est quelqu'un qu'on apprécie énormément par ici. Et voilà, ça vous permettra de vous bidonner aussi, parce que clairement, quand on chante avec l'accent, là, c'est quand même pas pareil que si tu écoutes un chanteur français, quoi. Ça te met tout de suite une barre de fun en plus, là. Allez, j'arrête avec mes imitations d'accent pourri. Je vais aller promener les petits bitous. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour peinture ou couture. Je sais pas. Enture. Un truc enture. Et pendant que j'y pense, j'avais acheté sur la librairie Bulle en Stock. Donc, je vous avais fait mon book haul dans le vlog précédent. J'avais acheté cette illustration, donc cette affiche. Elle est assez grande, hein, au final. Vous voyez à peu près la taille de ma main à côté. Je l'avais mise de côté pour pouvoir vous en parler en vidéo. Et en fait, je l'ai oubliée complètement. Donc, je voulais pas l'afficher tant que je vous l'avais pas montré. Maintenant, je vais pouvoir l'afficher. Et puis, ça sera du plus bel effet dans mon bureau. Je vous la montrerai peut-être une fois qu'elle sera posée. Ce sera peut-être un peu mieux que là avec ma main. Et hop, un ampli pour la caler. Allez, on reprend. Je me suis installée à ma petite table. C'est ma table de cuisine, en fait, que j'utilise pour faire ma couture, vu que j'en fais assez occasionnellement. Vu que ma mère m'a demandé un sac pour transporter des tartes, des gâteaux, etc., je me suis dit que le petit tissu Winnie, ça allait le faire, Winnie l'ourson, vu qu'il y a des petits pots de miel. C'est un personnage qui est gourmand aussi, de base. Je vais faire l'intérieur en jaune. Et on va passer tout de suite à la découpe. A priori, j'ai regardé donc sur la chaîne de... incapable de retrouver son nom là, mais je sais qu'il a un blog. Le blog s'appelle Le Papa de Jo. Et donc c'est juste deux carrés. Là, j'ai ma petite tablette anti-sèche. Donc je vais mettre mon petit casque et je vais découper tout ça. A plus! Ok, j'ai retrouvé la vidéo, donc c'est sur la chaîne Couture, Enfants et Tricot Débutant, donc sur YouTube. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, on sait jamais. Et donc il y a 20 patrons pour celle-ci, il faut découper deux carrés de 82 cm par 42. Je n'ai pas ressorti la grosse règle et on va pouvoir regarder tout ça. Ah merde, j'ai oublié mes craies. Ce qu'il faut savoir, c'est que la découpe, c'est le truc que je déteste le plus. Mesurer et couper les tissus, pouah, quel ennui. Quel ennui, les amis. Thank you.
En fait, il y a deux trucs que je déteste. La découpe et le surpiquage. Nous sommes le premier, ça y est, on a le droit d'ouvrir les calendriers de l'Avent, ça va être trop cool. Là je vous prends, il est entre midi et deux, j'ai pas beaucoup de temps à consacrer aujourd'hui puisque j'ai pas mal de tâches, j'ai une réunion qui vient de finir là à midi pile, j'en ai une qui commence à 13h30 et c'est le jeu qu'il faut que je mange, quand même. Et en plus je suis toute seule en télétravail ce midi, du coup les calendriers de l'Avent, c'est vrai qu'on aime bien les ouvrir avec mon chéri ensemble. Il faut que je me dépêche de finir de faire la peinture pour un, je vous en ai parlé hier. Hier oui, j'avais plus de batterie donc j'ai pas filmé la fin en fait. Par contre j'ai réussi à terminer mon petit sac à tarte, tout simplement, donc sur le thème Winnie the Pooh. C'est assez sympa, c'est assez simple à faire en fait, à part le côté vraiment surpiquage que moi j'ai un peu du mal avec ma machine puisqu'elle elle fait pas bien l'arrière. Enfin si, elle fait l'arrière, mais bon c'est un peu galère, elle grippe pas le tissu tout seul. Bref, vous vous en fichez complètement, mais j'étais trop contente de pouvoir faire ça avec des petits liens. Et voilà, j'espère que ma mère ne regardera pas cette vidéo, parce que sinon du coup ça la spoil. Tant pis, mais voilà, un petit cadeau de Noël de près. Un petit cadeau fait main, j'aime beaucoup cette idée déjà. Et un deuxième cadeau de Noël de près, celui-là je l'avais fait, j'ai triché un peu, je l'ai fait il y a quelques temps. J'ai fait un petit coussin de lecture pour la grand-mère de mon copain, puisque quand on est allé les voir cet été, il m'avait dit que ouais, ça pouvait les intéresser. Donc là c'est sur le thème de Bambi, avec une petite tête de Bambi et un petit pampan. Je le trouve vraiment très beau. En plus il est tout doux, il est sur un tissu un peu polaire. Donc c'est assez sympa, je vais essayer de ne pas trop mettre des poils de chien dessus. Ce serait dommage de leur donner déjà plein de poils. Allez, en niveau livre, du coup, comme je vous montrais l'autre jour dans le vlog précédent, voici la petite BD que j'ai reçue, donc la contrepartie Ulule, avec cette sublime dédicace. J'étais pas sûre que ce soit bien vu dans la vidéo d'avant, donc je voulais vous la remontrer comme ça. Je la trouve littéralement sublime. J'aurais préféré l'autre personnage entre les deux persos un peu chat, genre je préfère le design de celle-ci, mais quand j'ai ouvert la page je me suis dit oh bah tant pis, c'est pas grave, elle est quand même super belle. Regardez un petit peu tous les détails et tout. Je sais pas combien de temps l'auteur a passé à faire son petit dessin pour chacune des contreparties, puisque du coup il en avait énormément, ça a dû être vraiment chronophage pour lui. Donc avec, j'avais un petit marque-page et une pochette complète de goodies avec donc hop, des petites cartes format A5. Donc celle-là, elle est recto verso. Et ensuite les attitudes. Donc il y a celle-ci. Hop. Normalement, il y en a 4, je crois. Et là, on a dû faire le tour. Donc voilà, je les trouve assez sympas, assez mignonnes. Elles sont un peu en mode chibi, avec des personnages assez petits, avec des grosses têtes. J'aime beaucoup. Hop, il y a cette illustration en A4, avec au dos la... comment on dit ? L'esquisse, la première étape. Bref, je la trouve vraiment très belle aussi. Celle-ci, il faudra peut-être que je lui trouve une petite place dans mon bureau. Et je vais ça. Une carte de membre. Je ne sais pas à quoi ça va servir. Tant pis. Et sinon, en dernier, il y avait un petit badge. Un petit badge pour dire qu'on fait partie de la Space Kitten Family. Voilà. Je trouve que les goodies sont assez sympas. Enfin, tant que c'est des illustrations, etc., ça me convient bien. Après, le badge, ouais, clairement, c'est... pas ce qui m'intéresse le plus, c'est pas le genre de goodies qui m'intéresse le plus. Et voilà, j'ai un peu hâte de lire tout ça, sauf que bah bien sûr je l'ai pas mis dans mon Cold Winter, donc je le lirai pas avant février mars du coup. Allez, on passe. Oui, donc je suis allée voir mes parents sur le week-end dernier et ma mère m'a gentiment prêté des livres.
En fait, elle triche un peu, elle prête des livres que je lui ai offerts à Noël d'avant. Donc, elle m'a prêté l'illusion de Maxime Chatham. Celui-là, il me fait un peu peur. Elle m'a dit, non, mais si tu veux celui-là, t'es pas obligé de me le rendre. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas aimé. Elle m'a dit juste, lis-le et on en parlera après. Voilà, j'ai un peu peur. J'ai cru comprendre que c'est un espèce de Shining. C'est moi qui lui ai acheté, je me rappelle déjà plus du résumé. C'est un espèce de Shining dans les Alpes. Donc, moi, clairement, c'est pour ça que je l'avais pris, parce qu'elle aime bien un peu tout ce qui est thriller, etc. Donc, si elle n'a pas aimé, je me dis que peut-être c'est trop hard pour elle, et du coup, ce sera clairement trop hard pour moi. Parce que, bon, moi, les gens découpés, les morts et tout ça, c'est pas ma came. Et sinon, je lui avais pris donc les deux premiers tomes de Agatha Raisin, un Cozy Murder, Cozy Mystery. Ça me tente pas mal parce qu'il paraît que ça se lit bien, que le personnage est assez attachant. Et voilà que, en plus, ma mère m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé. Et ceci, par contre, elle veut que je lui rende, puisqu'elle veut compléter la collection. Donc voilà, peut-être une idée de cadeau de Noël aussi ou de cadeau d'anniversaire à faire, continuer la série pour elle. Et voilà, j'ai assez hâte de les lire. Je sais pas quand je vais faire ça, mais en tout cas, là comme ça, on est au premier jour on est au premier jour du Cold Winter et je me dis déjà, vas-y, change ta palle, tu les inclus. Ça va pas le faire, ça va pas le faire. Et sinon, en dernier, elle m'a prêté celui-ci. Donc c'est Le Discours de Fab Caro. C'est un roman qui a été adapté, je crois, en film. Oui, c'est marqué que c'est un film, donc avec les acteurs, etc. Alors, je viens de lire vite fait le résumé. En fait, c'est un dîner de famille parce qu'on a un mariage qui se prépare. Et du coup, le mec principal, enfin le personnage principal, vient de se faire plaquer et il vient d'apprendre qu'il doit faire un discours pendant le mariage de son meilleur pote ou de sa famille, bref. Donc voilà, ça peut être rigolo. C'est Fab Caro qui l'a fait. Donc Fab Caro, c'est aussi un auteur de BD que j'aime beaucoup. Je trouve que ses BD sont tout le temps très décalés, très humoristiques, où justement il n'hésite pas à exploiter des éléments débiles du quotidien pour en faire des caisses et des caisses. Oui, je parle de Zaï Zaï Zaï. Si jamais vous n'avez pas lu cette BD, n'hésitez pas, elle est vraiment géniale. Où on va nous parler. Alors je digresse un peu encore, mais le pitch de cette BD, c'est quelqu'un qui va faire ses courses et qui oublie sa carte de fidélité. Et du coup, il est traité comme un terroriste parce que dans la société actuelle, ça ne se fait pas d'aller faire ses courses et d'oublier sa carte de fidélité. Donc voilà, j'avais trouvé la série vraiment, enfin la série, j'avais trouvé la BD très très drôle et vraiment je la conseille à tout le monde. Et je sais plus, alors je couperai peut-être au montage, je sais plus si je vous avais déjà présenté les deux premiers tomes, enfin deux premiers tomes, deux tomes 1 de Sword Art Online. Donc je continue un petit peu ma quête des SAO pour les avoir aussi en manga, parce que j'ai déjà les light novels, et je les ai achetés en même temps que Are You Alice, et je ne sais même plus si je vous ai présenté, si je vous ai dit que j'avais acheté les Are You Alice. Je vous ferai un petit plan parce que je les ai déjà rangés, ils sont là-haut. Je vous ferai un petit plan tout à l'heure pour vous les insérer. C'est une série complète en 12 tomes. Donc là, j'ai Sword Art Online Project Alicization. Donc, ça, c'est le dernier arc qui est publié en ce moment en light novel, si je dis pas de bêtises. Et celui-ci, c'est Phantom Bullet. Donc, c'est le troisième tome du light novel que lui, j'ai déjà lu. Donc, voilà, ils étaient à 3 euros chacun. Je compléterai quand je compléterai, c'est pas du tout la priorité, c'est juste que là, bah voilà, c'était le même vendeur qui vendait les Are You Alice et ces deux tomes-là, donc je les ai glissés dans le panier. Ensuite, on va passer vite fait aux lectures. J'ai réussi hier soir, le dernier jour du Pumpkin, à lire les trois tomes, enfin non, j'ai lu juste le dernier tome, j'avais déjà lu les autres avant, de Mes voisins, les esprits. Donc c'est une série manga complète en trois tomes. C'est assez sympa. Les graphismes sont un peu spéciaux au niveau des bestiaux. En fait, des fois, il y a des dessins qui sont vraiment très kawaii. Par exemple, ici, là, on voit le personnage qui est dessiné un peu en mode chibi, kawaii, etc. Et derrière, on a des dessins assez réalistes. Bon, ok, je vous montre un dragon pour vous dire que c'est réaliste. Ça ne fait pas. Mais voilà. Les esprits sont soit super beaux, soit vraiment cracra. Genre lui, pour moi, là, lui, il fait partie des cracras. Voilà. L'histoire est assez sympa, mais voilà, un gros cracra aussi. Je pense qu'il y a plus d'esprit cracra que d'esprit vraiment beau.
Voilà, l'histoire est assez sympa. Par contre, je trouve que dans le dernier tome, en fait, c'est bien laissé en suspens et dans le dernier tome, tout s'accélère. Donc, je ne sais pas si la série était prévue de base en 3 tomes ou si elle a été avortée parce que manque de succès au Japon, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'histoire est complète, cohérente. Il y a quelques petites choses qui ne sont pas révélées à la fin, mais bon, c'est pas gênant, c'est un peu une espèce de fin ouverte. Ouais, je regrette pas en fait de les avoir achetés avec le pack découverte. Où il y avait un tome offert sur les trois, parce que clairement, ça n'a pas été ma lecture de l'année, quoi. Enfin, je pense que je l'oublierai assez vite, malheureusement. Mais ça fait une série de plus en moins à lire. Et sinon, j'ai bougé un petit peu. Sinon, je suis en train de lire en lecture commune avec mon chéri Good Omens, donc De mon présage, de Terry Pratchett et Neil Gaiman. Qu'est-ce qu'on se marre! Alors, le but, c'est de lire 10 pages par jour, à peu près. Donc, on lit, en fait, vu que les chapitres sont assez grands. On lit 10 pages et on s'arrête au prochain blanc. Et ouais, qu'est-ce que c'est drôle. Donc moi, je suis un petit peu en retard. Hein. Vous voyez voir, là, c'est mon marque-page en avance et là, c'est le sien. Donc lui, il est assez régulier, il avance assez bien. Et moi, par contre, bah, ça arrive des fois, 2-3 jours, je lis pas. Donc je me retrouve avec 30 pages. Ah, je me retrouve avec 30 pages à rattraper d'un coup. Mais qu'est-ce que c'est drôle, qu'est-ce que c'est bien. En fait, on avait commencé à regarder la série l'année dernière. Et je m'étais dit, putain, mais en fait, ça doit être encore plus. Ça doit être encore plus sympa en livre, quoi. Enfin, on peut vraiment rentrer dans la psychologie des personnages. On a l'humour des deux auteurs qui passe un peu à l'as lors de la série. Donc, on avait regardé les 2 premiers épisodes. Et on s'est arrêté et on s'est dit, vas-y, on achète le livre, on le lit. Et puis, comme ça, après, on pourra regarder la série si le bouquin nous a plu. Clairement, moi, je suis pas encore arrivée à la moitié. Lui, je pense qu'il est peut-être à la moitié. Je suis pas arrivée à la moitié, mais j'ai déjà trop envie de lire la série. De regarder la série, pardon, c'est la fatigue. Voilà, donc on va continuer ça tout au long du mois de décembre. Et normalement, on devrait arriver, je crois, vers la fin décembre. Bon, à suivre, je vous en reparlerai peut-être dans un futur Vlogmas. Mais pour le moment, c'est une pépite ce bouquin. C'est à peu près tout, du coup, comme je vous disais la dernière fois, nous sommes en trêve hivernale, donc je n'achète rien. Si, j'achète des cadeaux de Noël pour mon chéri, mais je n'achète rien. Donc voilà, c'est assez calme en ce moment, les arrivées, ça tombe bien. Je vous reprends ce soir, sûrement avec la GoPro, pour vous filmer juste l'ouverture des calendriers de l'Avent. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte, ça va être trop cool. Il y a un calendrier de l'Avent, je ne sais même pas ce que c'est puisqu'il est encore bien emballé. C'est mon chéri qui va me l'offrir et je sais toujours pas ce que c'est. J'ai trop hâte de savoir, j'ai trop hâte. Alors juste ce qui est pénible un petit peu au niveau de la peinture avec moi, c'est que j'avais acheté un set de pinceaux et je sais pas ce que j'ai fait des plus petits. Donc il me reste le 18 et le 14. Donc autant dire qu'on va pas pouvoir aller faire de la grande précision. Dommage. Mais bon, on va se débrouiller pour faire un truc sympa, hein? La base est faite, les amis. Je vous jure, les amis, je suis sûre qu'une grande artiste sommeille en moi. Tadam!
Ouais, le problème, c'est que cette grande artiste, non seulement elle dort bien profond, mais en plus, elle ronfle. Paye ta qualité. Ouais, bah on fait ce qu'on peut quand on n'a pas de matos, hein. T'as fini? Lucky qui n'aboie quasiment jamais, et là, il se décide d'aboyer maintenant, genre. Voilà, bon bah maintenant je sais que vu que je vous l'ai montré et que ça va très certainement finir dans le bloc, bah il va falloir que je lui donne avant dimanche. Ça va le faire. Je vais peut-être même le laisser là, le pendre. Je vais le pendre dans l'entrée directement et puis comme ça, il le verra en arrivant. C'est une bonne idée ça. En plus, ça aura le temps de sécher. Allez, et ben je vais vous laisser ici et puis normalement je vous reprends pour l'ouverture des cadeaux. L'ouverture des calendriers. C'est pas forcément des cadeaux, c'est des calendriers. À plus. Se doit de dénoncer quand qui va chercher son trophée. J'en ai plein mon jazz. Marchons sur le boulevard de la vie en destination vers la mort et nous étions partis. Et puis Dieu, dans son char, s'arrête sur le bord. Il me dit: hey mon fils, veux-tu que je te fasse un lift? Et j'ai dit: non, ça va, je vais marcher, je vais marcher. Et j'ai dit: non, ça va, je vais marcher, je vais marcher. Et si vous voyez ceux que j'aime en chemin, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je ne suis plus très loin. Et si vous voyez ceux que j'aime en chemin, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je ne suis, et que je ne suis plus très loin. Thank you.
Hey, je vous retrouve, nous sommes le samedi 4 décembre, je vais clôturer le vlog ici puisque bah, vu que je l'exporte et que ma connexion est pas ouf, bah, je vais très certainement laisser la vidéo charger cette nuit, comme ça vous pourrez la voir demain. Donc bah, la semaine prochaine, dimanche prochain, vous aurez mon dimanche au niveau des calendriers de l'Avent, etc. Au niveau des lectures, j'ai commencé à lire, je me suis remise dans mon manga, j'ai commencé à lire L'île entre deux mondes, qui est publié aux éditions Pika Graphics. C'est très onirique, c'est très touchant, les dessins sont sublimes. Vraiment, c'est une œuvre que j'aime beaucoup. Alors là, pour le moment, j'ai lu que 3 chapitres, donc j'en suis à peu près à la moitié du bouquin. Donc je peux pas trop parler pour savoir si je vous le conseille ou pas. Mais en tout cas, pour le moment, j'aime beaucoup ma lecture. Sinon, j'ai continué De bons présages avec mon chéri. On avance, même si j'ai toujours un peu de retard par rapport à lui. Et là, j'ai la flemme d'aller le chercher, puisque il est à l'étage. J'ai commencé ma première romance de Noël. Donc, il s'agit de Mariage tous les flocons. Je vous mets une petite image pour vous montrer un peu la couverture. Donc, c'est le Sarah Morgan de l'année dernière. On va nous parler d'une famille qui est composée de du maman, du papa et de 2 filles qui ont une dizaine d'années d'écart. La plus jeune a toujours eu des problèmes d'asthme en fait quand elle était enfant. Donc toute la famille a fait bloc autour d'elle pour pouvoir la protéger et l'amener à l'hôpital à chaque fois qu'elle faisait une crise. Et bien cette cadette se retrouve aux États-Unis alors que toute la famille est anglaise. Et un soir, elle appelle sa mère en disant « Je vais me marier dans un mois à l'autre bout du monde !» Voilà, donc c'est le pitch de départ est assez marrant, sachant que la famille va sans doute se retrouver à Noël. J'en suis pas encore à ce moment-là, j'ai dû lire une centaine de pages. Là où j'en suis, ouais, les personnages commencent à prendre l'avion pour aller aux États-Unis. Et on a donc le couple qui divorce mais qui veut pas le dire, et la grande sœur qui cache un secret et qui veut à tout prix empêcher sa petite sœur de faire une bêtise en se mariant trop tôt. Voilà, donc je vais voir où ça me mène, mais pour le moment j'aime beaucoup, c'est assez dynamique, c'est assez divertissant. Voilà, je débranche complètement mon cerveau quand je lis ça, mais voilà. Là en ce moment j'ai un peu quelques soucis pour dormir, ça fait une semaine et demie, 2 semaines que je dors pas très bien, donc je lis avant d'aller me coucher, et c'est ma lecture de chevet, donc ça n'avance pas très vite, par contre ça me met dans de bonnes dispositions pour pouvoir accueillir le sommeil doucement, donc si j'avance pas, c'est pas grave, ça me dérange pas. Sinon, aujourd'hui, nous avons cassé notre trêve hivernale, nous sommes allés faire les boutiques, bien sûr les boutiques de livres, hein, vous nous connaissez un petit peu depuis le temps. Mon chéri m'a pris le premier tome de Enroll Back, donc c'est une série qui est publiée aux éditions Château Château. J'avais vu les communications de l'éditeur qui disait que le titre, le tome 1 donc, était déjà sold out une semaine après au niveau distributeur. Donc bah, ce qu'il a fait, c'est que quand je lui en ai parlé, il l'a commandé sur le site de Cultura, et puis bah, on était obligé d'aller chercher cet après-midi. Voilà, donc j'ai un peu hâte de lire ça, je me dis que pourquoi pas dans les prochains jours, les prochaines semaines. J'en entends vraiment beaucoup de bien. Après, c'est une série qui est complète en 3 tomes, donc est-ce que j'attends le 3e tome pour les lire? Je sais pas, j'hésite. J'ai quand même bien envie de le lire. Sinon, donc on en a profité pour faire un tour aussi dans les rayons du Cultura, et il y avait un auteur en dédicace. Donc on s'est arrêté sur son stand, on a bien discuté avec lui. C'est un auteur qui... c'est très marrant, on a beaucoup discuté avec lui. À l'origine, c'était un ingénieur en informatique, comme nous, en fait. Voilà. Et il est devenu voyageur, on va dire, il est devenu auteur et il raconte ses voyages dans ses livres. Et mon chéri a plutôt flashé sur son premier roman,
enfin, roman ou nature writing plutôt, on va dire, au cœur de l'Iran. Donc là, a priori, ce que l'auteur nous disait, c'est qu'il casse un à un tous les préjugés que la culture occidentale peut avoir sur le peuple iranien, puisque oui, ils sont en dictature, mais par contre, le peuple est quand même très accueillant, il est très friendly avec les touristes, et pour eux, au contraire, ils en souffrent un peu de cette image qu'ils ont sur la scène internationale. Donc il s'agit de Au cœur de l'Iran, Voyage et compagnie, publié en auto-édition, je suppose, puisqu'il n'y a pas de nom. Voilà, Voyage et compagnie, donc peut-être que c'est l'édition, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est écrit par Claude Chalabresse. Et moi, celui qui m'intéressait un peu plus, c'est Voyage en Himalaya. Donc pareil, là, il va nous raconter son voyage qu'il a fait en 2014. Et au lieu de nous présenter un peu toutes les expéditions des gens qui vont aller gravir l'Everest, etc., et faire des exploits sportifs, lui, il va plutôt nous parler un peu du peuple qui est vraiment dans la misère et qui ne touche pas un seul centime de l'argent des touristes, alors que voilà, le Népal et toute la chaîne himalayenne en général amassent beaucoup beaucoup d'argent de par le fait que bah voilà, c'est hyper touristique. Par contre, bah, le peuple n'en voit jamais la couleur. Donc lui, son désir, c'était de nous montrer un peu l'envers du décor et nous faire découvrir ses populations. Donc on s'est acheté un bouquin chacun. Voilà. Au détour du rayon Young Adult, mon chéri a voulu se procurer le deuxième tome de La Passeuse de mots. Donc même s'il l'a fini avec un léger couac, pour lui, les quelques dernières pages, enfin il m'a dit que les dernières pages, c'était un peu dommage, mais il a très envie de savoir la suite, sachant que, a priori, c'est une saga finie en deux tomes, donc là il aura la suite et la fin, et il faudra que bah, je me les lise aussi, hein, puisque le premier tome me donnait quand même très envie aussi. Donc voilà, nouvelle acquisition. Bon, ça c'était une acquisition pour lui. Bah du coup j'en ai pris une pour moi. Donc j'avais très envie de me prendre Sorcery of Thorns, qui est publié aux éditions Big Bang. Et là c'est la version collector, on va dire, entre guillemets. Donc c'est une version en hardback avec une jaquette souple. Donc voilà, je trouve que l'objet livre est vraiment magnifique. Et surtout, ce qui m'a bien plu, et quand je l'ai vu, enfin quand je l'ai vu en rayon, j'ai tout de suite flashé là-dessus. C'est voilà, cet effet de page un peu effet grimoire en fait, effet vraiment manuscrit, livre ancien. On n'est pas sur du livre coupé tout plat, où c'est les tranches, puisque c'est ici les tranches, où les tranches sont bien nettes, bien découpées, etc. Là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus brut, qui fait beaucoup moins industrialisé, et ça m'a tout de suite plu. Après, à voir, effectivement, si j'en entends pas que des retours positifs sur celui-ci. Donc voilà, moi il m'a fait très envie l'année dernière quand il est sorti. J'ai attendu de voir un peu des retours et là en voyant cette édition collector qui a dû sortir la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, ou peut-être au tout début du mois là, je ne sais plus. Voilà, je me suis dit, il en reste plus que trois là, si j'attends début janvier, c'est peut-être mort. Donc je l'ai pris tout de suite. Sur ce, je vais clôturer ici ce premier vlogmas. J'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour avoir ben, mon vlogmas numéro 2. Tout simplement. Je vais essayer d'être un peu plus active sur mes lectures et peut-être un peu moins sur mes activités créatrices, on va dire sur mes loisirs créatifs. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Si vous voulez qu'on discute ensemble, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt. Allez, ciao!